Bonjour à tous, bonjour Mallory. Allez, les 15 minutes gym, c'est parti. Aujourd'hui, on aura besoin de, deux foulards, deux torchons, ou serviettes, ou morceaux de tissu. Il n'y a pas d'importance. En tout cas, il en faut deux différents. Premier exercice, on va vous faire faire une petite chorégraphie avec les foulards et avec vos bras. Donc vous prenez un foulard dans chaque bras et vous faites comme Mallory. Allez, on fait tourner le foulard. On change de sens. Et on change de bras. Dans un sens. Et dans l'autre. Allez, on met les bras sur le côté. Les deux bras en l'air. On baisse un bras. On met le bras devant. Allez, on essaye de suivre. Allez, maintenant, on va prendre les deux foulards dans la main et on va les lancer et les rattraper. Donc soit vous en prenez qu'un si c'est trop difficile, soit vous faites une boule avec les deux, on les lance et on les rattrape. On essaye de le faire de plus en plus haut. Allez, encore. Après, si vous y arrivez, vous en prenez un dans chaque main. Et vous essayez de les lancer et de les rattraper dans votre main. Ouais. Allez, encore. Voilà, maintenant, on va peut-être prendre qu'un foulard. Vous posez le deuxième. On va lancer le foulard, faire un tour et rattraper le foulard. Allez. Avant qu'il tombe. Allez, on réessaye. On lance, on tourne et on le rattrape. Ouais. Allez, encore une fois. Ok, très bien. On va faire tourner, tu peux reprendre les deuxièmes. On va faire tourner le foulard autour du ventre. Voilà, on l'a mis en boule. N'hésitez pas à en prendre qu'un s'il faut. Allez, 5 fois dans un sens. Et 5 fois dans l'autre. On va faire sous les jambes. Très bien. Maintenant, on va faire avec les bras, avec les jambes. On prend les foulards dans ses mains. Et on suit Mallory. Allez. Allez, devant, derrière. Allez, sur le côté. On accélère. Allez, devant, derrière. Très bien. On s'assoit. On allonge les jambes devant. On va mettre le foulard, les jambes légèrement écartées. Le foulard au milieu. Et on va passer la jambe, une jambe par-dessus. Allez, 5 fois. Vous pouvez changer de jambe à chaque fois. Deux. On garde la jambe toujours bien tendue et on essaye de pas trop se pencher en arrière. Trois. Quatre. Allez, encore une fois. Et 5, très bien, on plie les jambes, on met toujours le foulard au milieu, on met les deux pieds du même côté du foulard et on va faire passer les deux jambes par-dessus.
Allez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Voilà, on prend les foulards dans la main, on se met en position de pompe. Sur les genoux, on va commencer par prendre le foulard avec une main, le poser sur son dos. Reposer la main, il faut que le foulard y tienne, et aller le chercher avec l'autre main. Et dans l'autre sens. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent pas trop, on continue comme ça. Pour ceux qui arrivent bien, on va se mettre sur les pieds. Et on fait le même exercice sur les pieds. Donc, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on essaye de le faire 5 fois. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes si vous voulez. C'est un petit peu plus facile. Allez, encore un, puis c'est fini. Très bien. On va se mettre sur les genoux. On décolle ses fesses. Alors, donc Mallory, elle se met de dos. C'est pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous avez le foulard dans une main. On va le mettre dans le dos. Et on essaye de le rattraper avec l'autre main. Et après, on échange. On met la main dans le dos et on le rattrape avec la main. Allez, on essaye. Si on n'y arrive pas, on lâche le foulard. Voilà. Ensuite, on va répartir les deux foulards devant nous et on les écarte un petit peu. Voilà, les foulards sur les côtés. On se met comme les jambes serrées pour faire le saut de lapin de chaque côté du foulard. Si vous pouvez vous accélérer un petit peu. Allez, on le fait 5 fois. 3. 4. Encore une fois. Ok, très bien. Maintenant, on va faire avec les mains qui se déplacent. Donc, on écarte toujours un petit peu les foulards. On les met devant nous. On se met sur les pieds. Et on se déplace. D'un côté. Et de l'autre. Allez, 3. 4. Allez, encore une fois. 5. Voilà, très bien. On souffle un petit peu. On va se mettre debout avec un foulard dans chaque main. Et on va marcher sur les pointes de pied avec, en faisant des petits mouvements avec les bras. Très haut sur pointe de pied, on fait en avant et en arrière. Voilà, on vous remonte sur le côté. Donc en arrière avec les bras quand on recule et en avant avec les bras quand on avance. On se grandit bien. Maintenant, on va faire avec des pas chassés. Avec des cercles de bras. Si c'est trop dur, on enlève les cercles de bras. Hein. Maintenant, on se met sur les pointes de pied. Un pied devant, un pied derrière. On lève les bras. Voilà. On tourne. Et dans l'autre sens. On redescend à chaque fois. On monte bien haut les bras. Et on fait le demi-tour. Allez, encore. Maintenant, on change de pied devant.
Et on tourne dans l'autre sens. Très bien. On s'assoit, on va faire la chandelle. On va mettre le foulard entre les pieds. Et aujourd'hui, on va faire la chandelle numéro 2. Donc les bras, on les allonge sous les fesses. Donc on cale bien le foulard entre les pieds. Allez, et c'est parti, on monte en chandelle. 1, 2 et 3. Et on redescend. On essaye à ce que le foulard ne tombe pas des pieds. On recommence. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Voilà, maintenant on va s'étirer, on va prendre le foulard dans ses bras, dans ses mains. Allez, on lève un bras et on s'étire au maximum. On peut même se pencher un petit peu. Allez, on s'étire comme si vous vouliez toucher le plafond. Et avec l'autre bras. Allez, on recommence avec le premier bras. Et l'autre. Maintenant, on met les deux bras en l'air, on se grandit bien et on peut s'allonger devant. Et on se remet droite. Allez, on s'étire. Très bien. Maintenant, on s'allonge sur le dos. On va plier les deux jambes sous les fesses, on s'allonge, on plie les jambes. On coince le foulard entre les pieds et on essaye de tendre les jambes. Si ça fait trop mal, on descend un peu les jambes. Hein. On plie et on tend. Allez, on s'assoit, on prend un foulard dans une main. Et on va souffler sur le foulard. Et là, vous devez le voir qui s'envole. On inspire bien. Et on souffle. Vous pouvez même essayer en le lançant. On lance et on souffle dessus pour essayer de le laisser en l'air. C'est pas facile. Très bien. On s'allonge sur le dos, on va mettre le foulard sur le ventre. Et on va regarder son foulard qui monte et qui descend. Vous devez le sentir bouger chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Allez, on respire bien. Très bien. Et ben, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle séance. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Au revoir.